devais résumer mon univers en trois mots, je dirais architectural, design et graphique. C'est une histoire qui existe depuis 2017. À cette date, Covivio signait la charte « Un immeuble, une œuvre » initiée par le ministère de la Culture en 2015. En incluant le travail d'Astro à Marseille, nous comptons 7 œuvres dans le patrimoine européen de Covivio. Pour moi, l'intérêt, c'est toujours de réaliser des choses, de faire des projets. Après, ici, ça s'est adapté vraiment bien à mon art parce qu'on est dans un endroit très architectural. Donc pour moi, ça allait vraiment bien avec ma charte habituelle. On a choisi de faire entrer l'art dans le mail du passage Verneuil. Après, quel art on allait faire entrer, on ne le savait pas. Et c'est la proposition d'Astro, par son caractère monumental, contemporain, l'illusion d'optique également, qui réellement nous a emmenés vers ces deux œuvres. C'est d'essayer d'emmener le spectateur à l'intérieur de mon visuel et découvrir mon univers. Il y en a qui vont rentrer dedans et il y en a qui vont se faire appeler par la couleur et donc l'inverse, le mur va appeler la personne à rentrer. Et pour ça, j'utilise l'illusion d'optique pour que le spectateur se sente immergé dans mon œuvre et pénètre à l'intérieur.